mais non, mais tu peux pas savoir. Ah ouais. Il n'a pas marqué le tableau. Oh, 1312. C'est là. Oh là. C'est one way, hein. Connerie. Oh. Je sais pas s'il faut rire ou pleurer. Oui, viens là, toi. Voilà, donc hein, tu regardes la vidéo, maintenant tu sais que Tiffaine c'est mon assistante, enfin moi sinon ma collaboratrice, oui. Parce que l'assistante c'est réducteur, collaboratrice. Voilà. Et je dis à Tiffaine, on est en Nouvelle-Orient, choisissons quelque chose d'authentique. Ah, on a choisi quelque chose d'authentique. Alors un petit conseil, quand vous louez sur Airbnb, allez jeter quand même un peu un œil sur Google Earth. Où se trouve la rue? Parce que là, du coup, moi, du coup, avec la Mustang, dans ce quartier, attendez, on va regarder la maison. Ah oui, alors là, pour de l'authentique, on a de l'authentique. Hein. Il n'y a pas d'électricité dans la salle de bain, c'est pas grave, il y a une rallonge. Le mec, il nous présente son jardin. Regarde ces images, regarde ces images. Il nous montre son jardin, il commence à bouffer tout ce qu'il y a dans son jardin. Le mec, il bouffe tous les arbres de son jardin. Il y a des poules, il y a des canards. Il y a des huîtres par terre. La meilleure chose à faire, c'est de vous montrer. Le seul truc qui m'inquiète, c'est vu le quartier. C'est même pas un cliché. J'ai peur pour la caisse. J'ai peur de ne pas retrouver la caisse demain matin dans le même état. On a l'impression que l'ouragan il est passé hier, quoi. Ah oui, mais là, non, mais en plus, là, on est dans le quartier. Il paraît que c'est un quartier historique. Ah oui, là, pour être historique, il est historique. Attends, la Mustang, c'est la plus belle voiture. Enfin, je pense que la voiture la plus jeune de la rue. Elle est de 95. Elle doit dater de 25 ans. Oh, punaise. Oh, ah, oh là là là. Bon, allez, à un moment donné, j'ai dit à Tiffany, je sais plus si je dois rire ou pleurer. Allez, on vous monte la maison. Ouais. On vous monte la maison. Alors, heureusement qu'il y avait la photo de la maison, parce qu'on en a douté un petit moment, hein, donc on ne sait pas ce que lui il fait là. Voilà, voilà, c'est de l'authentique, hein, je vous ai dit que c'était authentique, voilà, c'est authentique, voilà, tout est authentique, voilà, ça avait l'air bien sur les photos, voilà, c'est bien. Après, l'accueil a été, faut-il le dire, a été assez chaleureux, mais tout ça, c'est de l'authentique. Voilà. Bon alors, t'as de la chance dans cette vidéo de ne pas sentir les odeurs. Ça sent encore un petit peu bon, mais je peux pas définir ce que c'est. Si, voilà. C'est bien, il y a un ventilateur et il y a une clim. Alors, en revanche, la clim, il faut l'éteindre cette nuit parce que... Ah, tu l'entends, ça fait un bruit de malade. Voilà, c'est authentique. Ouais, Audrey Hepburn, c'est bien Audrey Hepburn. Il y a même un téléphone, là, d'époque. Voilà, donc Nouvelle-Orléans, si tu cherches quelque chose d'intéressant, voilà, une première chambre. Voilà, c'est bien, il y a du bois, et puis c'est bien fini aussi, surtout. Voilà. Ah oui, là on est dans la Nouvelle-Orléans historique, oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est la salle de bain. Voilà, il n'y a pas d'électricité dans la salle de bain. Donc, on nous a dit qu'il y avait ici la rallonge. La rallonge avec laquelle on peut avoir l'électricité dans la salle de bain. Voilà, tout ça c'est inclus bien sûr. Hein. Et la salle de bain, là on est dans... Votre petite chambre. C'est beau comme tout, hein. C'est authentique. Voilà. Alors, on a une cuisine. Alors, on a ouvert le frigo. Bonne surprise. Dans le frigo, il y a encore des trucs dedans. Voilà. On ne sait pas qui c'est. On ne sait pas d'où ça vient. Et le frigo est lui aussi bien rouillé. Voilà. Bon, il n'y a pas de machine à laver. Il y avait marqué qu'il y en avait une. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est que sur Airbnb, il y a 53 avis extrêmement favorables. Alors, il est clair que si tu cherches effectivement ce genre d'habitation,
C'est très bien. C'est très bien. Non, moi, ce qui m'inquiète, c'est juste... Ça m'inquiète pas. Ça me pose pas plus de problèmes que ça. Ce qui me pose du problème, c'est le quartier par rapport à la voiture. C'est une voiture de location. Et j'ai envie de la retrouver demain matin. Et j'ai envie d'avoir encore les quatre roues sous la voiture. J'ai pas envie de la retrouver sur des parpaings. Ah. Alors, je sais. Je sais même pas comment ça s'ouvre. On peut plus sortir. Ah, là, ça tourne. Et... Je sais plus où. Attends, il faut peut-être pousser. Attends. Mais c'est pas possible. Mais c'est fermé ou quoi? Voilà, voilà. Ça va, on peut plus sortir. Ça marche ici? Ça marche pas non plus. Voilà, heureusement qu'on est optimiste. Bon, alors on peut plus sortir quoi. J'arrête la vidéo, il faut que je joue cette porte. J'ai réussi. J'ai réussi. Fallait un petit peu forcer. Il fait très chaud là, il est quelle heure là? Il est 19h et il fait encore 33 degrés et puis un taux d'humidité extraordinaire. Attends, t'es en train de marcher sur la salade. T'es en train de marcher sur le repas, attends. Oh, regardez, ça c'est mignon ça. Voilà, voilà. Voilà, alors on va essayer de trouver des... Alors il faut... fais gaffe, tu vas choper le tétanos. Petite boule de bowling, voilà. Et alors là, le monsieur, il a mangé de ça, il a mangé de ça, il a mangé de ça. Alors ça c'est mignon ça. Il a mangé ça, et il a pas mangé la poule. Il a mangé de cet arbre aussi. Attends, j'entends les poussins. Ils sont où les... Attends, j'ai peur de me casser la figure. Ah, t'es en ligne là? Non. Ah. Aïe! Ça fait mal ça. Voilà, c'est, le jardin est compris dans le prix. On peut se balader librement dans le jardin. Si ça se trouve, on va trouver un alligator. Oh là 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 là. Bon, je sais pas. Mais c'est l'aventure. Ben écoute, c'est l'option Koh-Lanta avec, t'as vu? T'as pris l'option Koh-Lanta, c'est génial. Ah, et sur la photo, il y avait effectivement un beau tournesol. Oui, qui n'est plus trop beau. Qui n'est plus trop beau. Voilà, voilà l'arrière de la maison. Ah là, il y a des... Regarde, regarde. Voilà, et ça c'est compris. Donc, comme dans Koh-Lanta, on peut les chasser. Et il paraît qu'il y a un œuf par là. Voilà. Alors, il ne faut pas attraper le tétanos. Hein. Fais gaffe où tu mets les pieds. Voilà, tout ça pour te dire qu'on est bien arrivé à Nouvelle-Orléans. Ça déchire. Voilà. Et maintenant, écoute, reste là, il y a peut-être encore d'autres choses à découvrir. Regarde ça. Il y a un poussin. Il est parti le poussin. Mais tu vas où toi? Mais non, mais on peut pas aller là. Mais non, mais c'est pas possible. Un figuier. Il y a un figuier. Mais tu vas où? C'est encore son jardin, tu crois? Oh là 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 là. Eh ben, on construit une cabane dehors, non? Oh là 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 là. Hein, c'est un citronnier, bien. Le hamac. Ben voilà, c'était marqué dans l'annonce qu'il y avait un hamac. Mais voilà, allez, on y va. Eh ben, il n'y a plus qu'à y aller. Ah oui, d'accord. Oui. Bon, si tu aimes la nature, tu ne vas pas sur le hamac pour préserver la nature. Oh, il y a même un Jéroboam, là. Regarde. Un Jéroboam. De veuve Cliquot, en plus. Hein. Voilà, j'adore les dépaysements. Rien ne me fait peur. Et... pour être tout à fait franc avec toi, ça ne me fait pas peur. C'est plus pour la voiture que ça m'inquiète, en fait. Voilà. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Peut-être qu'on ira garer la voiture un petit peu plus loin. Je viens de jeter. Le gars, je lui demande. Le gamin qu'on vient de voir, il rentre. Il fait comme chez lui, il prend le téléphone. Et je le regarde, et puis il me regarde, il reste là, il commence à fouiller dans nos affaires. Normal. Et je lui dis, est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu de vie privée? Puis il me regarde, ah oui, oui. Et puis il sort tranquillement. Normal. Normal. Merci. On va pas te survivre. Non mais je crois que je vais dormir le jour où je vais rester réveillé la nuit. Je crois que je dors dans la bagnole. Punaise. Oh, putain. Du pittoresque, on en a. Après ce moment folklorique,
au cœur de la Louisiane historique. Nous voici de retour dans l'authentique. Il y a Tiffany qui pleure. Ça va? Alors, tu me montres comment tu fermes la porte de ta chambre, c'est assez folklorique aussi. Attention, le château va fermer ses portes. Ah oui, hein, ah. Et tu t'en sors ou tu t'en mets de la force? Attends, le pire reste à venir. Ah. Le château ouvre ses portes. Oh là. Ah oui. Alors, au niveau réveil, c'est discret quand même, hein. Si tu vas aux toilettes, on va faire un accord, toi et moi. On ferme pas la porte. On ferme la tienne. Pourquoi? Ah, c'est la clim. Ah non, attends, j'ai même pas essayé encore. Attends. Si ça se trouve, elle grince tellement. Attends. Ah, ça fait pas de bruit. Vas-y. Attends, regarde. Hey. Même que ça a été peint avec, hein. On l'a pas enlevé, attention, hein. Ça fait partie du modèle. Attention. Voilà, attends. Non, mais ça sonne pas. Ah, ça y est. Attends. Ouais. Voilà. C'est pas mal, hein. Alors, je te dis pas. Alors, ah oui, alors, attends. Ce qui est magique aussi, il faut pas mourir. Voilà, ça c'est donc déjà c'est l'ampoule. Voilà, et alors on suit le câble, hein, gentiment, on se fait une petite mise au point. Voilà, on suit le câble. Et alors là, attention, il faut pas se faire électrocuter. Parce que. Et attention, ça risque de tomber à tout moment aussi. Voilà. Voilà, c'est. Je ne te dirai plus jamais que je veux l'authentique, Tiff. Plus jamais. On a choisi à deux. Oui. Oui, tu peux préciser. T'es pas la seule coupable, c'est bien. On porte l'erreur, la faute. Dorénavant, on regardera Google Street parce que là, et là, on a laissé la voiture dehors, mais. Et on appellera les gens. J'ai brûlé un cierge, hein, quand même, pour être sûr. Bon, je sais pas, qu'est-ce que je fais? Je garde ça ou je garde la clé? Parce que la clé. Comment il m'assied? Ouais, bah, à mon avis, je vais mourir. Tu vas trouver des lamelles de Michel là sur le lit. Bon. Oh, magique. Oh, punaise. Je crois que le mien est pas beaucoup plus stable. Ouais. Peut-être l'éteindre, moi. C'est pas mal. Bon. Bah, j'ai des cierges. Je peux les allumer. Oui. Apparemment, ça a déjà été fait. Apparemment, ça n'a pas aidé. Bon, et alors le canapé? Oh, bien, canapé, alors réparé avec professionnalisme, avec du duct tape, regarde, avec du duct tape, c'est pas mal. Il y a des trucs, et des roulettes. Oh, il y a un radiateur neuf quand même pour l'hiver. Ouais, bon, on touche pas ce qu'il y a derrière, c'est dangereux. Oui. Bon,